Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oh là là, ça parle tout seul là, c'est la mémoire musculaire de la langue. Ça sort tout seul. Pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ça va bien. Réflexe YouTube. C'est ça, mais des années tous les jours à dire ça, c'est du coup, ça sort tout seul. J'ai même pas besoin de réfléchir. Alors, comment est-ce que vous allez? Alors, nous avons de grandes nouvelles pour Amnesia. Nous avons de grandes nouvelles pour Amnesia. Chercheur Swifter a pris un abonnement d'une durée. Enfin, voilà, je dis pas la durée, c'est parce que je lis simplement la. Merci beaucoup, chercheur Swifter, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans les followings. Attendez, parce que je suis en train de me concentrer un petit peu, parce que je sais pas comment je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas comment je vais vous montrer tout ce que je vais vous montrer. Comment? Une nouvelle fenêtre, s'il vous plaît. Merci. Une nouvelle fenêtre. Est-ce que je me suis connecté? Alors, attendez. Je vais vous montrer deux, trois trucs. Hein. Donc, comme vous le savez... Oh là là, mais attendez, il y a plein d'abonnements. Attendez, attendez, attendez. Florilène a pris un abonnement. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans les Followills. Et Varios a pris un abonnement aussi. Merci beaucoup, bienvenue dans les Followills. Ça fait extrêmement plaisir. Attendez, oui, je regarde beaucoup vers du coup l'écran opposé. Ah, ouais, si je tournais ma webcam, tiens, regardez. Ah non, mince, oula, je suis en train de faire des bêtises. Regardez comme ça fait genre je regarde l'écran vide en fait. Alors attendez, je vais ajouter une source, navigateur. Parce qu'il s'est passé des trucs avec Amnesia. Non, c'est pas du tout ce que j'essaie de faire. Tu t'en vas, au revoir. Capture de fenêtre, c'est bien. C'est très bien la capture de fenêtre. Non, pas cette fenêtre-là. Non. Cette fenêtre-là, voilà. Oh là là, mais hey, ça affiche tout de suite mon truc, quoi. C'est dur, ça. Monsieur, vous voyez toute mon interface, ça fait deux fois que je me fais avoir, là. C'est pas normal, ça. C'est pas censé afficher tout de suite. C'est pas bien du tout. La confidentialité n'est pas respectée. Alors. Maxent Play for You a pris un abonnement. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a, voilà, y a mon Twitter. Hein. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je stressais un petit peu sur Amnesia. Je me disais, écoutez, on est 200. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça fait extrêmement plaisir. Il monte son Twitter. Et ouais, écoutez, moi, je suis comme ça. J'arrive dans la rue. Hop, mon Twitter. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a une run d'Amnesia en hard mode. Je n'avais aucune idée si on allait pouvoir la terminer, vu que le nombre de sauvegardes est limité par le nombre de Tinderbox qui est lui aussi limité. Donc, voilà, comme le dit si bien Max on Play for You, Amnesia est passé en open source hier même. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir comment est fait le jeu, comment il est codé, comment ça se passe dedans. Du coup, je me suis dit, oh, bah tiens, on va voir comment ça se passe, dis donc. Et du coup, j'ai regardé comment était fait le hard mode. Comment était surtout fait la... Donc j'ai vu tout ce que le hard mode changeait, parce que les développeurs n'avaient rien dit du tout. Ils étaient juste là, c'est un peu plus dur. Mais bon, on ne savait pas. Maintenant, on sait. Je suis probablement le world first à savoir comment fonctionne le hard mode, autre que les devs du jeu, bien sûr. Ils retrichent. Alors attendez. C'est justement pour ça que je parle de tout ça. Comment dire? Donc du coup, j'ai regardé et j'ai vu comment fonctionnaient les Tinderbox. Enfin, j'ai vu, quand je dis comment j'ai vu comment fonctionnaient les Tinderbox, c'est pas genre je sais quel Tinderbox va apparaître. Non, 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 non. C'est je sais qu'il y a des Tinderbox que la probabilité augmente lorsque on en a moins. C'est tout. Voilà. Hein, donc il y a des gens là, quand je l'avais dit. Attendez, voilà, mes retweets un peu. Voilà, voilà hein. J'ai dit ok, merci, du coup je sais comment ça se génère, supprime les Tinderbox en hard mode, etc. Et donc je pense qu'on pourra finir le hard mode. Jérémy m'a donné 100 bits, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, voilà. Et donc il y a des gens qui m'ont dit, comme Yann, hein, je crois pas qu'il est là ce soir, mais Yann m'a dit c'est de la triche. Il m'a même balancé le shame là de Game of Thrones. Et je ne suis pas d'accord. Cheater, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Je vais vous prouver que c'est pas du cheat. Attendez, capture de fenêtre. Je peux supprimer ça. Voilà, merci. Alors, attendez, il faut que je retrouve ce que je vous ai préparé.
parce que c'est le mot, préparer. Donc voilà, tous les gens là qui disent tricheur et shame, non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Attendez, où est OBS? Où est OBS? Comment ça marche ce truc déjà? Oh, mais c'est de la merde ce truc. Paramètres. Ah. Attendez, vous allez voir que je suis complètement de bonne foi. Donc, capture d'un écran. Je suis un gros taré. Ah, ça va m'afficher le mauvais écran comme d'hab, c'est bon. Ah non, c'est bon. Mais c'est chaud que ça affiche à chaque fois, j'ai même pas le temps. Hein. Donc voilà. Donc, pourquoi je n'ai pas triché à Amnesia? Alors déjà, il faut commencer par une définition de qu'est-ce que tricher. C'est vrai. Qu'est-ce que la triche? Vous ne pouvez pas dire, oui, il a triché en gardant le code source. Déjà, il faut savoir ce que c'est tricher. Donc pour ça, j'ai pris la définition de Wikipédia. Donc un joueur utilise des méthodes variées pour créer un avantage au-delà du gameplay normal, afin de rendre le jeu plus facile. Les cheats peuvent être activés par le jeu avec un cheat code, ou créés par un logiciel tiers, ou par le hardware, comme les cartridges. Ou alors ça peut être avec un bug du jeu, même si c'est marqué que ça ne peut pas être forcément être conseillé comme étant un cheat si c'est connu assez bien. Voilà. Hein? Voilà. Donc ce que j'ai fait, je vais vous dire ce que j'ai fait exactement. J'ai lu le code source du jeu. J'ai déterminé ce que change le hard mode. J'ai vu un petit peu tous les endroits dans le code où ça parlait de hard mode. Normal. Et je sais comment le jeu spawn ou ne spawn pas les Tinderbox. Mais c'est ça le truc. C'est que je ne sais pas où sont les Tinderbox. Et je ne sais pas lesquels vont apparaître et lesquels ne vont pas apparaître. Et donc, je n'ai fait aucun programme qui n'a modifié le jeu, comme la définition de Wikipédia. J'ai seulement acquis de l'information. Alors, est-ce que savoir, parce que j'ai acquis de l'information, est-ce que juste savoir acquérir de l'information, c'est tricher? C'est vrai. Parce que là, vous pouvez dire, ok, il triche. Par exemple, un Wallach, vous allez me dire, un Wallach, ça triche pas en soi. Vous voyez juste où est l'adversaire. C'est une information, mais c'est de la triche. Déjà, c'est avec un programme tiers, donc bon, c'est de la vraie triche. Savoir d'avance où aller, est-ce que c'est de la triche? C'est vrai, vous lisez un guide qui vous dit à gauche, droite, gauche, droite, c'est peut-être un petit peu de la triche, mais pas vraiment de la triche. Donc, ce que j'ai fait ne m'a pas aidé. Ouais, bon, j'ai mal écrit là. À savoir où aller à l'avance, je ne sais pas. J'ai triché, mais je ne sais pas où je vais. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je vais jouer exactement de la même de la même manière que si je n'avais pas lu le code source. Donc ce n'est pas de la triche. Je sais juste que je peux trouver des Tinderbox et finir ma partie. J'aurais triché si... C'est vrai. Vous allez me dire... C'est de la triche quand même. Mais non. Parce que voilà. Moi je vais vous dire ce que j'aurais dû faire pour qu'on dise ok William t'as triché. J'aurais dû lire le code source. Bon, je l'ai fait. J'aurais dû, deuxième étape, ouvrir les maps d'Amnesia pour connaître l'ordre interne dans le logiciel des Tinderbox pour savoir, ça c'est Tinderbox 1, Tinderbox 2, Tinderbox 3, enfin voilà. Ensuite, j'aurais dû lancer l'algorithme sur les Tinderbox de la map que j'ai lue. Et enfin, j'aurais dû déterminer l'emplacement des Tinderbox qui sont apparus afin de pouvoir me diriger tout de suite vers elles et tricher pour de vrai. Donc j'ai seulement fait l'étape 1 et 3, oui, parce que j'ai fait un petit algorithme qui me génère pour voir à peu près à quoi ça ressemble la génération des... Mais bon, c'est tout. Autre argument. Ah oui. Alors, si pour vous, savoir qu'une Tinderbox peut apparaître dans une map, c'est de la triche. Ça veut dire que savoir qu'il y a entre 20 et 30 Tinderbox dans une partie, c'est de la triche aussi, alors. Ah bah dans ce cas-là, on fait plus rien. Dans ce cas-là, vous jouez dans un jeu, et puis vous ne faites rien du tout. Voilà, et j'ai trouvé cette information des 20 et 30 Tinderbox sur le wiki du jeu. Vous n'avez pas dit, oh là, William, il sait qu'il y a 20 et 30 Tinderbox, c'est de la triche. Personne m'a dit ça. Et d'ailleurs, mais oui, je pourrais très bien ajouter ce que j'ai découvert sur le wiki. Ben oui. Et voilà. Et ça veut dire que
si vous pensez que c'est de la triche, que tous les futurs joueurs qui iraient sur le wiki tricheraient automatiquement. Donc ça n'a aucun sens. Donc, je n'ai pas triché. Ça n'a aucun sens, voilà, en plus j'ai écrit. Donc, je suis désolé, ce n'est pas de la triche. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, je vois personne. Non, il n'y a pas de questions. Le bon poulet du KFC n'a pas de questions. Personne n'a de questions. Ah là 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 là. J'espère que cela vous a convaincu. J'espère que Yann, qui regardera ce replay peut-être, vous aura convaincu que je n'ai pas triché en simplement regardant le code source du jeu. Voilà. Je pense maintenant donc qu'on peut jouer, en toute honnêteté, à Amnesia et terminer cette partie. En toute légitimité. Je n'aurais pas du tout volé mon achievement. Ah. Alors, je vais vous afficher le jeu quand même, c'est pas mal. Efra, Bulle Bizarre, envoyé 10 bits, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et Nefarix s'est abonné. Est-ce que tu pourrais nous partager la diaporama? Oh, vous voulez que je vous le mette sur... genre, il y a ce site-là, je sais plus comment c'est. C'est pas Scribe, mais genre, il y a un site fait pour tous les trucs. Alors, capture de fenêtre, ok. Mais vous voyez encore mon truc, monsieur, c'est pas normal. C'est pas normal, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas censé se faire, ça. Ça, c'est vraiment pas cool. Ça, c'est pas bien. Imaginez s'il y avait marqué, je sais pas, des mots de passe et tout. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Willon. Willon. Bah oui, c'est vrai, vous m'appelez comme ça. Mais attendez, parce que j'ai le mode studio. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, ça, c'est pas mal, là. Ça, c'est pas mal du tout. Waouh, j'ai activé le chat. J'avais oublié que j'avais mis ça, dis donc. Ça se dit pas Willong? Willong? Eh, Willong? Non, non, ce n'est pas Willong. C'est Willong. Le vrai. Bon, j'essaie de faire un truc avec OBS, mais je suis trop boomer. Je suis bien trop boomer. Ça dépasse mon niveau de compétence. Donc je vais réessayer. Et déjà, il me dit qu'on voit ma truc. Mais ça... Capture de fenêtre. Très bien. Non, mais ça ne change rien. Ah si, mais si, ça change. En fait, vous voyez pas le chat. Enfin, je crois. Hein. Bon, si j'aime... Je ne sais pas. Bon, alors, attendez. J'essaye déjà de démarrer le jeu. Ce qui relève d'une complexité sans précédent pour quelqu'un comme moi. Mais pourquoi il veut pas capturer mon jeu, monsieur? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le live... Live, j'essaie de faire fonctionner... Bon, ah, c'est bon, pas de panique. Enfin, pas de panique, c'est relatif. Mais enfin! C'est terrible, ça. Ah là 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 là, on va y arriver, on va y arriver. Merci. Wow, j'ai eu un raid de Yann, Yad, qui a raidé mon stream avec 10 viewers. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un bon live. Sûr, c'était Sherlock Holmes, c'est ça, avec le Watson Creepy qui pop derrière les gens, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, bienvenue Yann, tu as raté le PowerPoint que j'ai fait pour expliquer que c'était pas de la triche. Pour expliquer que ce n'était pas de la triche d'avoir regardé le code source de Amnesia. Mais il veut pas capturer mon jeu OBS, je vous jure, là, ça va pas du tout. Il ne veut pas capturer mon jeu. Je sais pas pourquoi aujourd'hui il s'est dit non, écoutez, c'est pas possible. Amnesia, ça fait bien trop longtemps que ça a marché. Transformer, adapter à l'écran. Est-ce que. Mais non, ça marche pas! Ça ne marche pas! Au secours! Au secours! Voilà, il ne s'est rien passé, vous voyez juste le chat. Fallait faire un exposé sur OBS. Ouais, je crois que du coup, ça ne fonctionne pas. Amnesia. Mais il veut pas prendre Amnesia. C'est fou, ça. Regardez, vous avez le son du jeu et tout, mais ça ne fonctionne pas. Oh, bah ça marche maintenant. Ils se foutent de la gueule, quoi. Ouais, bon, bah c'est super, ça marche. Alors attendez, du coup, je... Ah, mais est-ce que c'est ma capture 1 ou ma capture 2? Ah, c'est ma capture 2 qui m'a... Du coup, vous avez le jeu en 8 fois. Vous ne le voyez pas, mais il est en 8 fois. Bon, j'ai enlevé le chat quand même, parce que là... Pff, progression. Speedrun, Amnesia pour 100 OBS.
Voilà, c'est tout bon, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, il y a eu un Willon 3 parce qu'en fait, j'ai essayé de refaire encore une partie. Ça n'a pas vraiment marché. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que le son du jeu est bien? Est-ce que le son de ma voix est bien? Tout va bien, super. Ah, reprendre la partie précédente. Oui, c'est bien, c'est mieux. Est-ce que le chat... Non, il n'y a pas de chat, c'est bon. Oula. Ah oui, c'est vrai, j'étais là. Alors, attendez. Ok, maintenant, il faut que je règle mon son pour moi. Je termine mon stream vers quelle heure? Alors, c'est une excellente question. Je vis en mode... en mode YOLO. Alors, je vais vous éclaircir légèrement le jeu. Comme la dernière fois, parce que... Après... Oh, William, on voit pas bien. Ta-ta-ti-ta-ta. Gamma, hop. Voilà, vous voyez un peu mieux. C'est bon, on peut jouer. Donc là, je sais qu'il n'y a rien du tout. Merci. Qui trouve les tournis en box pour sauvegarder, sinon il prendra des heures. Ouais, alors, normalement, ça va marcher, juste. Hein. Parce que je sais. Et je n'ai pas triché comme je l'ai si bien démontré en début de live. Dun 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 dun. Hop hop hop. Bon alors là il va y avoir le type qui va apparaître. On est tous au courant. Oh mon dieu. Des cadavres. Par contre j'ai bientôt plus d'huile. Voilà, merci. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Je sais pas s'il vient tout de suite ou pas en fait. Mais y a rien là, c'est normal. Le type il est censé arriver là. Ah oui, c'est là. La dernière fois il est jamais venu hein. Je dis ça, je dis rien mais... Et puis je peux pas me mettre bien dans le coin là, c'est stressant hein. Oh là là. Comme si j'ai jeté le bras comme si de rien n'était. Eh ouais. Pas de bras, pas de chocolat. Ah, il défonce la porte. Mais je suis obligé de mourir là en fait. Rassurez-moi. Ah mais non, genre il est pas censé me voir. C'est le conseil qu'on m'avait dit hier. SnafuFR a pris un abonnement. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Alors du coup, je peux vous dire 2-3 autres trucs. Il est aveugle. Oui, non mais en fait le truc c'est que justement vu qu'on est en hard mode, les monstres entendent 2 fois plus loin. Et j'ai lu cette valeur dans le code source du jeu. Mais ce n'est pas triché. Puisque de toute façon je vais poser toutes ces indications sur le wiki officiel. Enfin officiel. Le fandom wiki Amnesia. Tout le monde sera au courant de tout. Je peux monter le gamma. Non, c'est bien. Quand même que vous flippiez un petit peu. Alors. Alors, je crois que je me souviens de cet endroit. Je crois qu'il y a une astuce. Du style, il faut balancer un caillou ou je sais pas quoi dans la flotte. Parce qu'on est dans un espèce de truc en rond. Voilà, normalement je prends ça. Ça va être chaud là, je vous le dis tout de suite. Là c'est le moment où les gens sauvegardent quand ils ont des Tinderbox. Là on s'apprête à mourir. Je compte la mort. Merci. Ça fait extrêmement plaisir.
allez voir, il va pas avoir bougé d'un centimètre, je le connais très bien. C'est pas là. Je crois pas. Mon plan aurait-il fonctionné? Il était juste là. On reste accroupi. Il veut pas lire les messages de point de chaîne. Ouais, je dois faire 400 rails, c'est ça. Hey! Bienvenue! Bienvenue pour du stress. Du stress en barre. Vas-y, mais le mec peut pas monter l'échelle plus rapidement, quoi. C'est pas possible. Hey! Non, mais en fait, c'est pas assez, 500, c'est ça le truc. J'ai mis 500 en mode... C'est bon, les gens, ils regardent pas trop. Enfin, ils vont pas avoir 500 points. Ils vont avoir 200 points. Le stress que j'ai eu, je savais pertinemment que ça allait arriver. Non, moi, je me souvenais pas. Pour moi, ils nous voyaient pas. Enfin, si on passait, je me souvenais plus qu'ils nous pourchassaient une fois passé. 500, c'est facile à avoir. Bah, je vais mettre 5000 la prochaine fois, hein. Comme ça. Je suis où? C'est quoi ce niveau? Je ne me souviens plus de rien. Il y a des monstres ici ou pas? Ah non, mais c'est quoi tous ces endroits là? Je me souviens plus. Hein. Bon, alors on est en mission, on cherche des Tinderbox. Une Tinderbox sur 4. Parce qu'en fait, alors je vous explique. Parce que je me souviens à peu près grosso modo quand même de la suite du jeu. Enfin, vite fait quand même. Je sais qu'il y a un gros moment qui reste très compliqué, c'est une espèce de salle avec très ouverte. Et il spawn genre 40 monstres dedans, c'est une horreur. Et je crois que même les PGM ils sauvegardent avant cette étape. En tout cas, si on n'a pas nos 4 Tinderbox avant le niveau du cœur, je crois que c'est le cœur que ça s'appelle, c'est pas possible. Puis on va voir Agrippa et je sais plus, on a le choix, je crois. Oh là 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 là! Ouais, le jeu se complique sur tout le choix. Ouais, bah c'est ça. C'est ça qui me stresse. C'est pour ça le but du jeu là, pour nous, c'est récolter 4 Tinderbox avant le choix. Le choix. Et idéalement, pouvoir re-sauvegarder avant le Inner Sanctum. Parce que le Inner Sanctum a une fâcheuse tendance. À vous rendre fou. Alors en normal, aucun souci. Parce que la folie ne vous fait rien du tout. Mais c'est pas la même en hard mode où vous pouvez en mourir. Non mais. Ah oh oh! 2 sur 4. Ouais. Parce que le choix, je suis obligé de sauvegarder. Ouais. C'est pas parce que j'ai fait deux bouts de chemin là dans la morgue que. Que je peux me permettre de ne pas sauvegarder avant le choix, parce que ça va vraiment être difficile. Hey! Oh, je fais des hey tout le temps maintenant. J'ai même plus besoin de regarder le chat parce que je sais qu'il faut que je fasse des hey. Hey! Ah mais mon gars est en train de mourir dans le... Très bien. Mais je me souviens absolument pas de cet endroit, c'est terrible. Je ne sais pas du tout où on est. Ouais, on est vers Agrippa. Bah oui, le voilà, tiens. Bonhomme tout nu. Alerte, bonhomme tout nu. Bon, oui, non mais c'est bon, je te regarde pas. Je cherche des Tinderbox d'abord. Tinder d'abox. Non, j'ai essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. Hey! Navi l'a fait. Gérer les demandes de hey, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh! Non, je ne perds pas bêtement des points de vie. Je sais plus ce qu'il faut faire avec lui. Tirer l'interrupteur. Genre, soit on le sauve, soit...
You have my gratitude. My gratitude. My name is Agrippa. Les Tinderbox, c'est les trucs pour allumer les lumières, oui. Et c'est ça dont on a besoin pour sauvegarder. Tiens, assieds-toi. Ah mais oui, c'est quoi ça déjà? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais... J'ai la même trappe au plafond chez moi, les gars. Je vous jure, c'est vrai. Je peux même pas aller dedans tellement elle est haute. Non, j'ai plus envie de t'entendre parler, en fait. Est-ce que tu peux faire un... Monsieur... Un l'aile à l'ancienne? Mais j'ai jamais fait l'aile. Quand est-ce que j'ai fait l'aile? L'aile! Ça me dit rien? J'ai fait l'aile? Je faisais jamais l'aile! L'aile ou la cuisse? Ouais, j'y ai pensé, mais je me suis dit, je peux pas la faire, c'est trop ridicule. Regarde autour du cœur et du transept de l'église, tu devrais être capable de trouver. Ouais, ouais, c'est les orbes qu'il faut trouver, c'est ça. Mais ça, j'ai fait les leviers, non? Je sais plus. Ah oui, non, c'est autre chose. Une orbe nécessaire. Ah oui, bah du coup, les leviers, ouais, très bien. On va voir par là ce qui se passe. Ouais, c'est un hub ici. C'est... Il peut rien nous arriver normalement dans les hubs. Oh, 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 troisième! Non. Oh putain. Oh putain. J'ai cru que c'était une vieille lampe et que je pouvais genre cliquer dessus et pour la gripper, la bouger comme un vieux modèle tout pourri. Oh putain, bordel de cul. Oh non, mais aidez-moi, quoi, au secours. Deuxième Tinderbox, bêtement gâché. Presbyterium. Qu'est-ce qu'un... Enfin, oui, je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à concevoir le niveau dans ma tête. Ah non, mais là, c'est terrible. Là, c'est la grosse erreur, là. C'est... Ça peut pourrir notre run, mais bon, au pire, je reviens à la sauvegarde de... Au pire, voilà, je reviens à la sauvegarde dans les égouts, c'est pas insurmontable non plus. C'est chiant, mais pas insurmontable, vous voyez. Mais c'est bon, Daniel, c'est un petit bout de fumée. Pas de panique. Oh putain, je suis deg. Faut recommencer. Non, je vais pas recommencer, là, c'est tout. C'est pour avoir triché. Non, mais vous êtes dur. Je n'ai pas triché. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Désolé d'avoir des compétences en informatique, quoi. Je veux dire, je dois m'excuser d'être balèze en informatique. Puis bon, pas besoin d'être balèze pour lire un petit code source. C'est quoi ce bout de viande, déjà? Tu peux faire un yo, c'est Squeezie. Yo tout le monde, c'est Squeezie! Ça sert à rien cet endroit en fait. Le yo était parfait, super. J'ai correctement prononcé deux lettres. Qu'est-ce que je dois faire avec mon bout de viande? Le mec qui demande ce qu'il doit faire, il dit même pas ce que le type est en train de lui dire. Ouais, non mais je vais pas vous refaire ma carte. Ma carte. Une carte sur le front. Je vais pas vous refaire quand même mon... Toutes mes vidéos. Le mec. Genre vous connaissez ma vidéo par cœur, c'est un peu troublant quand même. C'est quoi cette araignée au plafond? Mon gars va devenir fou. Regarde, il y a de la lumière, Daniel, tout va bien. Oh, bah il va mieux. Pff,
Alors, le gars, c'est le tronc de fer, quoi. C'est pas là. It's one badge. Toujours pas d'huile. Bah non, j'ai plus d'huile. Ah si, j'en ai un. Bon, on va l'économiser, n'est-ce pas? Ah, mais non, on aurait pu aller dans le presbytium. Mais oui. Non, en fait, on va peut-être le faire en premier. Ça, vous savez, de trouver deux autres Tinderbox au lieu de une seule. Attendez, dis-toi que tu as quitté depuis un bon bout alors qu'il regarde à nouveau tes anciennes vidéos avant. Ah oui. Alors attendez. Ah bah tout encore, je suis parti depuis 3 secondes. Hein. Ouais, ça a ouvert cette porte. Ah mais si ça va vers le tchoir, je suis baiseille. Du verbe baiseille. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Oui, je dois mettre le petit bout de viande. Voilà, et je sais plus pourquoi je fais ça, mais je sais que je dois le faire. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais ça sert à rien en fait. Waouh, plot twist. Si j'ai récupéré un os ou je sais pas quoi. Non? Reste ramassé. Le mec a l'air ravi. Oh, j'ai ramassé des restes. Transept. Ah bah ça doit forcément être pour un rituel, je vois pas pourquoi ça pourrait être pour autre chose. Waouh, je me souviens pas du tout de ce niveau. Waouh, mais c'est marrant, tiens. C'est quoi, il me rappelle quelque chose, mais pas dans Amnesia. Je crois que dans ma tête, je fais un mélange. The Haunting of the Hill House. Je crois qu'il y a le même escalier dans cette série d'horreur. Et un mélange, je crois qu'il y a un écran comme ça dans Final Fantasy 9. Enfin bref, le mec... Voilà, c'est très bien. Bravo, je sais reconnaître des endroits similaires à d'autres endroits que j'ai vus dans ma vie. Je suis incroyable. En vrai, je suis en mode je fonce, mais je sais même pas s'il y a des monstres hein, dans ce niveau. Je suis un peu en mode YOLO parce que je me dis j'ai raté un truc, alors... Ah, une orbe. Ah oui, ça c'est les bonnes vieilles tortures. Le sang a besoin d'un récipient. Trouver un moyen d'abaisser le récipient. Oh là là, mais ça veut dire qu'il faudra que je revienne ici. C'est nul. Voyons les bons côtés des choses. Je n'ai plus d'huile. Ça, c'est les bons côtés. Bon, je viens de là-bas. Hein. T'es sûr que je dois monter cet escalier, là? Ça ne dit plus rien. S'y connaît en torture. Vous n'avez pas idée. Vous ne me connaissez pas. Oh, un deuxième morceau d'orbe. Oh, 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 oh! Que vois-je? Une Tinderbox? Ça fait quoi ça? Ça va juste tirer le truc. Alors, ah oui, ça c'est terrible ça. Ça on le voit dans Game of Thrones. Bah mon mec est devenu fou. Ouais, vous voyez, on vous mettait les bras en arrière, là, et puis on vous tirait. Ça a l'air de faire très mal. Ouais, j'attends un peu, là, que mon mec, il est pas bien.
Elle doit avoir des sacrés abdos. Bah, elle doit surtout être morte. Et avoir les bras cassés. Du zip et du janitor. Zip. C'est bizarre parce que les deux mots mis dans la même phrase, on pourrait croire à autre chose. Faut sortir de la salle. Bah quand même. Oui, mais là, si je sors de la salle, mon gars, il va pas se sentir. Hein. Regardez, ça va pas vraiment mieux pour lui. Ou alors cette salle est suffisamment éclairée. Oh, de la lumière. Il y a des bruits là, non? Non, il va pas. Il va pas vraiment mieux. J'ai déjà deux orbes. Des orbes. Non mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas assez de lumière dans cette pièce. Non, il a pas l'air de réussir à aller mieux. J'ai peur de mourir là, bêtement. Pour une fois que je faisais pas cette allusion. Ah bah faut assumer. Fallait faire deux phrases différentes. Puis là c'est bête parce que j'use mon huile juste pour... Bon, la bonne nouvelle... C'est que même si on perd, on pourra forcément sauvegarder vu qu'on retrouvera exactement le même Tinderbox. Ta sanity. Ah d'accord. Ta sanity est morte. Oui, t'as mis un autre mot avant qui a été automodé. Non, regardez, ça va mieux. J'ai déjà plus le flou. Oh, mais on n'a pas le petit schéma là, monsieur. Non, non, non. Je suis pas d'accord là. On n'a pas... Ah, je peux l'appuyer dessus, tiens. Enfin, voyons, tout le monde sait que on posait la tête là-dessus, n'est-ce pas? Hein? Bon, là, c'est pire qu'avant. Et il n'y a même pas d'orbe ici. Donc là, j'ai vraiment... Qu'est-ce que... Oh, mais si, il y a un orbe. Ah, mais ça va mieux, dis donc. Ouh, j'ai récupéré toute ma sanité mentale. Ça fait du bien. Par contre, j'ai plus d'huile. Tu sortir des t-shirts Tinderbox. Non mais, vous imaginez, vous êtes dans la rue et vous arborez fièrement la Tinderbox d'Amnesia sur votre t-shirt. Quoi. Vous n'allez pas me dire que ça vend du rêve quand même. Hey, voilà. C'était pour toi. Pouce en 23321. Bonjour Alexander. Ah mais son œil, qu'est-ce qu'il a? Non, il est normal en fait. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Bon, il y a bien une petite Tinderbox là. J'en ai trois. Hein? Qu'est-ce que... Ah, le petite corde. La Wilderbox. Attendez, je vais être sûr de ne pas rater une Tinderbox là parce que c'est très important. Oui, oui, je dois mettre le reste là-dessus. La combinaison ne fonctionne pas. Mais stop, utilisez mon os. Mon os. Mon os. Quasi jamais d'huile. Bienvenue dans l'art mode. Le pot. Ah. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Je sens que je me trompe. Eh non, c'était de l'autre côté. À droite. Bah oui, mais en fait, vous le dites au moment où je suis déjà dedans. C'est un remaster du jeu, je le trouvais vraiment plus moche avant. Bah
Non, c'est le même jeu qu'auparavant. Yay! Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Mon type a la fâcheuse tendance de savoir exactement ce qu'il doit faire. C'est quoi que j'ai manqué depuis l'égout? Bon, pas grand chose, on a retrouvé quelques Tinderbox, j'en ai utilisé une bêtement. Hop là. Ça c'est le mec qui court et hop, il touche, parce qu'il a trop la joie de vivre. Et là il court et ouais, super! Je vais bientôt sortir de là. J'utilise bêtement ma lanterne. Oh. On va le finir ce Amnesia. Et j'aurai l'achievement masochiste. Oui, alors, go to the choir. C'est ça le problème en fait. C'est probablement un des niveaux les plus chauds. Je réfléchis. C'est quoi le niveau là-bas? Je crois que c'est le niveau où... Je crois que c'est le niveau où il faut pas que j'aille tout de suite en fait. Bah oui. Attendez, hein, je suis en pleine réflexion intense. Mais je sais pas c'est où le niveau de la suite où on pose les orbes. Parce que je crois que c'est un peu la merde si on n'a pas toutes les orbes et qu'on y va direct. Mais comment j'ouvre l'autre pièce ? C'est bleu, ça lui fait du bien. Oh, j'ai monté un levier là aujourd'hui. Pouh, vraiment, ça m'a requinqué quoi. J'ai l'impression que tu vas devoir tenter le cœur sans save. En fait, je... Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, attention, mais tombe pas, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il monte sur leur bord, il est arrivé. J'espère... secrètement trouver une Tinderbox très rapidement dans le cœur afin de pouvoir sauvegarder. Bah, évidemment que je sais ouvrir une porte. Je suis pas attaché moi. C'est pas très difficile d'ouvrir une porte quand on n'a pas les mains liées. Ah, c'est la note qu'il veut trouver, le type. Le type. Oui, oui, la zone la plus chaude du jeu. Je sais. Oh merde, c'est un Laudanum. Et puis on peut pas me filer aussi un peu d'huile. Je n'ai plus d'huile. T'as déjà joué à Silent Hill? Je crois que j'ai fait Silent Hill, il me semble, en... Qu'est-ce qui se passe? En live, il me semble, le premier. Tu sais ce que tu vas faire comme live après me dire? Je n'en ai aucune idée. Je vis au jour le jour. Je suis un fou. Ah, oh, il y a un type qui est apparu. Excuse-moi, est-ce que t'aurais pas une petite Tinderbox, mec? Tu feras du Among Us avec Farod? Bah, faudrait qu'il me propose. Je me sens pas de... Vous savez, de MP Farod. Salut, tu veux faire du Among Us? En plus, j'ai jamais joué à Among Us, déjà, de base. Ah oh oui, je le touche, c'est sensuel.
Go faire Penumbra en hard. Oh là là, non. Attends, et déjà, je suis quand même déjà bien en train de me... Attendez. Tout va bien. Déjà, je suis quand même bien en train de me tuer la santé mentale pour vous faire amnésie en hard. Faut pas trop m'en demander non plus, quoi. J'ai pas envie de devenir fou à 32 ans. Quoi. Allez, je peux pas sortir. Santé mentale. Non, mais là, mon gars va pas bien. Ça va mieux. On voit rien. Le mec a peur de devenir fou, il a fait plus de 50 CS. Ouais, non mais... Qu'est-ce qui se passe, enfin... Mais je suis encore dans la même pièce. Bon, il y a un petit pendu, mais ça, c'est normal. Il n'y a... Oh ! L'utilise pas. L'utilise pas, qui me dit. Alors que je suis devant le niveau le plus dur du jeu. Et vous voulez que j'utilise pas? Vous êtes taré, hein? Je m'en fous de si j'ai la bonne ou mauvaise fin. Je sais même plus comment ça marche, pour tout vous avouer. Je veux juste finir le jeu, en fait. De toute façon, il y a genre zéro différence entre les deux fins, donc... Ne misclique pas. Non, ouais, c'est bon là, je... Donc là, on est dans le cœur. Je charge la save. Si t'es un homme, finis sans sauvegarder. T'as qu'à le faire. Après, on en reparlera. Je le ferai. Tu joues un autre jeu après ça, ce soir? Bah, faut que j'arrive à terminer. C'est quoi cette emote? Bah, c'est moi avec beaucoup de cheveux. Sauvegarde. Attendez, j'attends la cinématique. Hop, on sauvegarde. Donc, les amis, si on passe ce niveau... ce niveau est horrible, il me terrifie. Si on passe ce niveau, il y a de très fortes chances... qu'on finisse... Il y a 4 grunts ici, je sais. Enfin, je sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Que ce bout est dur en normal, oui. C'est, je pense, un des niveaux les plus difficiles. J'en suis où dans le jeu? C'est genre... En fait, après le tchouar, là, le cœur... je crois après c'est des niveaux un petit peu bidons. Et après il y a une autre difficulté. En fait normalement en mode normal c'est le dernier gros niveau quoi, vraiment vraiment compliqué. Bon après il y a toujours deux petits grunts mais voilà. Et surtout je sais plus du tout à quoi ressemble ce niveau. Je sais pas où je dois aller. Donc on va probablement mourir là dans ce niveau. C'est quasiment obligé qu'on meure en fait. On va longer les murs. Je vais essayer de faire une map dans ma tête du jeu. En plus, on voit rien, quoi. Je longe à gauche, hein. Putain, il y a une porte là-bas. Je dois trouver 3 orbes, c'est ça? Il y a un bruit. Hop, facile. Easy peasy lemon squeezy. Un Danoom qui ne sert à rien vu que de toute façon les monstres nous one shot. Oh. Pourquoi ce level est dur? Parce que... Ah non, tout va bien, c'est bon, je savais. Je savais. Tout. Oh, une Tinderbox. J'avais pas oublié du coup que... Non, je vais pas me mettre là-dedans, vous êtes fous quoi. Ah tiens, il y a une orbe là. 1 sur 3. En fait, le truc chiant du niveau, c'est qu'il y a beaucoup de monstres. Et les monstres, bah, à part courir en ligne droite, on peut rien faire. C'est très embêtant. Good luck, have fun, merci. Merci. S'il meurt pas avant la fin, c'est un dieu.
Et déjà, j'ai fait la prison en one shot, sans aucune tinderbox et sans aucune huile. Franchement, déjà, rien que ça inspire le respect. Bon, là, en théorie, j'aurais allongé la gauche. Je peux pas, genre, ouais, faire comme ça. Y a aucun monstre pour l'instant, là on est d'accord, hein, y a rien. Putain, il y a des espèces de bruits de pas à deux balles là. Non, faut que je longe la gauche parce que sinon je vais me perdre. Concentration extrême. Bon, là il y a un petit pont. Là, je suis près du spawn, non? Putain, il y a un autre pont là-bas. Ouais, je me sens mieux de prendre l'autre pont parce que du coup, je serai sur le côté où je longe. Vous voyez? Genre là, c'est l'entrée. Comme ça, en cas de problème. Parce que là, je dois traverser la zone ouverte. Là, ça me plaît pas trop. Oh putain, il y a du bruit. Il y a du bruit. Il y a du bruit derrière moi, je crois. Je crois qu'il y a du bruit derrière moi. Je n'entends plus rien. C'est la musique du menu principal. Moi, j'ai couru un petit peu, ça a l'air d'aller. Oui, non, à gauche. Bah, attendez, je maîtrise pas vraiment où je vais en fait. Je fais ce que je peux. Oh, il y a une porte là. Allez, mais rentre, putain, mais ouvre cette porte, bordel de... Oh! Tu peux faire le arrête-toi du jeu, oh là là. Mais non, mais j'en souviens déjà même plus. Hein. J'ai pas d'huile. Shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. Je vois juste la lumière rouge qui dit qu'il y a une orbe ici. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Eh, on a fait deux orbes sur trois, les gens. On n'a pas croisé un seul monstre. Vous êtes sûr que mon jeu il est pas bugué, là? Attendez, je vais attendre un petit peu, là, devant la lumière. Ce serait quand même bête de mourir... De mourir de sanité mentale, quand même. Je crois que tu peux stun le grunt 2 secondes. Pff, mais comment tu peux stun le grunt? Tu peux pas, c'est pas possible. Eh, hey, j'ai peut-être raté des subs là, je sais plus. Snafu, Big Pouletto, pardon. L'Aurélier, bienvenue dans les Follow Wheels, avec extrêmement plaisir, merci de votre abonnement. Mais c'est bizarre, j'ai pas entendu le son et tout. Faut voir, je suis vraiment trop concentré sur le jeu. Merci beaucoup monsieur, ça fait extrêmement plaisir. J'ai une luck incroyable sur cette partie. Ah non, c'est du skill. Et je crois qu'il n'y a pas de chance dans Amnesia. Les monstres, ils spawnent selon certains événements. Et ils ont une ronde bien spécifique. Et c'est tout, il n'y a pas de chance. Oui, c'est la porte, je suis bête. J'ai pas été là-bas. Là, c'est le... J'en reviens en arrière. Oh, putain, il y a un bruit derrière moi. Je peux pas monter, là? YOLO, hein?
Je veux pas savoir s'il y avait quelque chose était derrière moi. Donc attendez, à gauche c'est... Putain, j'ai eu... J'ai rien du tout. À gauche là-bas c'est là d'où on vient. En fait le spawn il est là-bas si je me le repère bien. Et là il y a un truc à droite. Je vois une lumière, je vois une porte. Ça sent bon. C'est quoi ce truc? On devrait pouvoir s'ébrécher. Je sais pas ce que je fais, j'en ai aucune idée. Je sais pas à quoi ça sert. Dolap s'est abonné, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Longer les murs, ça c'est la vraie technique ça. Je fais ça depuis des années, ça marche très bien. Non mais là c'est le piège là. J'ai toutes les orbes. Alors maintenant, faut réussir à revenir vivant. Si on arrive à revenir vivant, c'est win. Il y a encore plus de bruit quoi le mec. Alors attendez, je suis où? Le spawn est là-bas. Normalement, je vais longer le côté droit et je vais pouvoir passer par le premier pont. Qu'on a vu, si je m'oriente très bien. The urn, non mais attendez, alors là, si je one-shot les... le cœur, c'est pas possible. Putain, alors là par contre, je sais pas du tout me repérer par rapport à où va se situer le pont. Où est le pont? Oh putain, il y a le machin, il est là, je l'ai vu. Oh, il arrive vers nous. Il est... Le pont est là-bas, le pont est là-bas. Il y a eu le début du son, il m'a poursuivi. Il me cherche. Est-ce qu'on run? Regardez ce pont. J'ai juste à traverser ce pont, faire 3 mètres, et je suis à la sortie. Il n'y a plus de musique. Je croyais qu'il ne devait pas y avoir de musique. La sortie est juste 3 cm devant nous. Je cours. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? One shot la prison, one shot le cœur. Voilà, c'est le skill. Frylian, merci beaucoup de ton sub, ça fait plaisir de te voir. Re-bienvenue dans les followers, je crois que tu t'étais déjà abonné un coup à l'époque. T'as dû t'abonner au moins un coup, non? En tout cas, ça fait plaisir de te voir, merci beaucoup d'être là et de t'être abonné. Après, il ose dire que c'est dur, mais c'est parce que, vous savez, j'ai acquis une certaine expérience. Je suis déjà nu ici, oui. Oui. J'ai acquis une certaine expérience, peut-être aussi. Enfin, je vais mourir de folie, ça, on en aura tout gagné. Oh, c'est bon. T'as pas triché, mais j'ai pas triché. Tes cheveux actuellement, non mais ça va là. Je les mets bien en arrière avec le casque, c'est ça l'astuce. Tout ça grâce au code source. Non mais les mecs, attendez. C'est pas Matrix hein, le code source. Hein. C'est pas genre on voit les lignes. Oh, je connais tout. I know amnesia. Non, non, c'est pas ça. Stalkfire, envoyé 500 bits, merci beaucoup, comment vas-tu, Stalkfire? Toujours un argument de dire chargement là 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 quand je vois un chargement dans un jeu.
Chargement. Une orbe est un orbe est nécessaire pour... Mais ça, je sais. La note parle d'un mélange fait avec trois ingrédients. Agrippa, l'homme mourant, veut un tonique spécifique conçu pour le sauver. J'ai que ça qu'à faire. Désolé, Agrippa, je crois que je vais juste aller le plus vite possible. Impossible d'ajouter quoi que ce soit. La substance doit d'abord être purifiée. Comment on purifie? Oh, franchement, j'ai pas envie de faire la quête d'Agrippa. Je vais vous avouer... Chargement, la 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 la, chargement. Par contre, on doit quand même finir le jeu en one shot avec une Tinderbox. Ouais. Et là, là c'est chaud, parce que c'est-à-dire que quoi qu'il arrive maintenant, si je meurs, je dois recommencer le choix. De toute façon, je me souviens, j'ai pris à droite, j'ai longé le mur de droite. Gauche, j'ai sauté par-dessus le vide en étant sur un truc. Droite, gauche, un monstre à éviter et j'ai repris le pont. Le deuxième pont, du coup. Mais bon. Je dois aller là-bas, là, c'est ça? Tiens, mais la chaise, elle est revenue là. T'as triché, mec. Ok, un ingrédient pour le tonique avant d'essayer de réparer l'orbe. Non, mais je m'en fous. Tu peux crever, mec. Désolé, hein, mais... Il a changé le code source. Non, mais attendez, j'en suis quand même pas là. Je suis quand même pas assez tordu pour... Je suis allé dans toutes ces pièces? Oui, celle-là, c'est celle que j'ai allumée. Je suis quand même pas assez tordu pour recompiler le jeu, quand même. Vous êtes fous, quoi. Puis en plus, c'est le bordel. Hein. J'ai même pas essayé, mais je pense que ça doit... En général, quand les devs donnent un code source d'un jeu vidéo, c'est pas genre le truc qu'en 30 secondes, vous arrivez à compiler. Il manque tout le temps 40 trucs dans votre ordinateur pour pouvoir le faire. Je ne sais pas pourquoi je réexplore ces pièces. L'espoir secret de trouver une Tinderbox. Non, mais le cœur, c'était du skill, c'est tout, quoi. Alors là, je crois, si mes souvenirs sont bons, si c'est bien le niveau que je pense. C'est pas le niveau que je pense, donc c'est bon, tout va bien. C'est bon, enfin... De quoi il flippe? C'est le niveau que je pense. Mais, je crois que je suis obligé de me faire attraper, en fait. Sauvegarde. Ha ha! Je crois que c'est genre, on est obligé de mourir ici. Ouais, c'est scripté, c'est bien ce qu'il semblait. Tout va bien. Scripted. Oh non, faut pas que je le regarde, je vais mourir de santé mentale. Inspector Gadget. Je sais plus comment j'utilise mon bâton, par contre, mais... Je sais plus comment j'utilise mon bidule. Le mur de gauche? Ah, c'est ça. Bien vu. Genre en stress, en mode si... Ah!
En stress, imagine là, j'ai une coupure de courant ou quoi, c'est pas possible. On pourrait jamais finir le run. Pas une Tinderbox là-dedans, là ? Là, si on arrive à retrouver 3 Tinderbox avant... Avant le... Le Inner Sanctum, ce serait... Ce serait gisant. Réellement. Ce serait le truc le plus de ouf possible. Je fais comme dans Skyrim, là, je me mets le saut sur la tête. Ça ne m'avance à rien, je sais, mais... Oh, une Tinderbox. Attendez, je suis pas rassuré, là, il y a une musique. C'est bon. Ah, Zizi! Je peux pas le déplacer. Le mec, hein, pas le Zizi, évidemment. Le Zizi. C'est le streamer qui veut être un petit peu politiquement correct, quand même. La bite! Un seau en bois. Je suis pas politiquement correct, moi. Twitch, je vais me faire ban. Tu sais, je vais avoir un coup de téléphone. Fuck! Fermé à clé. Ah oui, le seau. Le seau, le puits. 1 plus 1, 2. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais juste qu'on peut le faire. Oui, devant une piste, n'importe quoi. On va avoir un seau d'eau. Fantastique. Est-ce qu'on peut pas lui faire une petite douche? Non. À quoi sert mon seau d'eau, monsieur? Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ça fait un peu seau. Le seau d'eau pour... seau le film avec le seau d'eau. La clé qui tombe. Le tuyau. Oh putain. Attendez. Réminiscence de choses qui peuvent arriver. Oui, 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 oui. Là, le chat me confirme que c'est bien ce que je pense. Je crois que c'est une énorme course-poursuite. Oh putain, mais attendez, 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 je recule un petit peu. Y a pas un moment où, genre, il y a droite et gauche et il faut aller, genre, soit à droite, soit à gauche? Est-ce que vous savez s'il faut aller à droite ou à gauche? À droite? Vous êtes sûr? Je sais pas si je dois croire le chat. Hein. À droite, gauche. Ok, merci, pour l'instant c'est 50-50. YOLO. Putain, si je crève maintenant... Est-ce qu'il faut fermer les portes? Non! Et la lumière là, vous avez... Putain, le bande d'enculé de bordel. Putain. Je vois que... Non, putain, il y a de la flotte. Bunny hop. Allez, mais monte les putains des... S'il vous plaît, me faites pas faire un truc genre cliquer sur un item. Ah, c'est bon là, c'est win là. Clic. Ce jeu ne vous laisse jamais tranquille. Jamais. Non mais franchement, heureusement que... Oh! Encore une Tinderbox! Ah là là, la note m'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive?
normal tout ça? Une note. Ah, un bout de papier. Oh putain. Je me souviens plus du tout de ce truc. Enfin oui, ça me dit vaguement quelque chose quoi, mais je peux pas mourir là-dedans quand même. Est-ce qu'il y a une Tinderbox là-bas? Imaginez les mecs qui mettent une Tinderbox dans un flashback. Non, j'ai trois Tinderbox. Eh, imaginez si je dois recommencer tout depuis le début en mourant là. Imaginez, on peut pas sauvegarder et je meurs dans l'Inner Sanctum. Ah, je suis pas du tout ce qu'il dit, le gars. Pardon, je ne t'écoute pas. Je crois qu'on doit aller nulle part, en fait. Ça va disparaître, voilà. Fondu vers le noir. Ah, tout va bien. Oula, mon mec est un petit peu fou quand même là. Bah oui. Y'a rien du tout, merci. Qu'est-ce que je dois mettre dans le puits? Je dois rien faire là, c'est... Je me souviens plus de ce passage en fait. C'était le bout de viande. Ah mais oui, je l'ai déjà fait. Mais y'a rien. Imaginez s'il y a des gens qui commencent le jeu pour la toute première fois en hard mode. Les mecs trop chauds quoi. Ouais c'est bon, je peux le faire en hard. J'ai l'habitude des jeux durs. C'est impossible, c'est impossible. Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je me souviens plus de... What? Oh putain. Oh putain, c'est une blague hein. Ça m'inquiète là, mon gars qui meurt. Attendez, parce que ça me fait paniquer un peu quand même là, cette sanité mentale. Le mec va se mettre l'œil dans la torche quoi. Eh, s'il n'avait pas gâché un Amadou, il pourrait sauvegarder. Oh là là. Sardoche sur Amnésia. Pourquoi il a fait en arme? Je suis au courant de rien. Je ne sais pas si vous êtes ironique ou pas. Je m'expose. Bon, ça a pas l'air de le soigner. Hein. Je viens de là. Là, il n'y a rien. Là, je prends des dégâts, là, c'est ça. Hein. Merci. Ça fait plaisir. Oh oui, de la lumière du jour. Il a tellement de santé, bah oui. Tout est ok. Il aime bien ce petit morceau de lumière là, Daniel, je sens. Chaque fois il va mieux quand je reste là. Oh là là, et encore une Tinderbox, les gens. Une Tinderbox. Et genre, c'est sûr à 100% qu'on peut finir la run. Mais ça va pas mieux en fait.
Daniel, c'est de la lumière. Ça a pas l'air de le calmer vraiment. What? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon ordi qui rame là ou... Mais imaginez, là, je meurs dans le noir de santé mentale, je rage quitte. Putain, il est mal! Il est mal! Il est mal, il avance plus! Oh! Pfff. Oh là là, mais. Le stress, toi! Oh putain! Je me suis chié dessus, hein. J'ai cru que c'était la fin, là, du jeu. Hein. J'ai plus d'huile. Il y a plus d'huile. Le jeu me donne plus d'huile. Regardez ça, ça pourrait être de l'huile. Ce n'est pas de l'huile. C'est quoi, tout ça? Ah, c'est le truc avec Agrippa. Non, mais je m'en fous, moi. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de sauver Agrippa, hein. Je sais pas ce que je fais. Je fais tout au pif, c'est terrible. C'est monstrueux. Je fais tout au pif. Aucun récipient. Je suis en mode YOLO. J'appuie, je... De toute façon, j'ai pas 40 millions de trucs dans l'inventaire. J'ai 3 machins. Tonic inachevé. Bah oui, il faut que je mette ça dedans. La suspense doit être purified. Bah, on fait la même, non? Chauffage n'extraira pas. Ah, c'est peut-être ça? Je disais que t'avais de la luxe, que tu fais des trucs random. Eh, mais c'est ça le truc, c'est que c'est peut-être pas si random que ça. Bah. Sa position antérieure de quoi? Bah, je suis censé le mettre là. Non? Je comprends pas ce que fait la manivelle en fait. Parce que là je presse. Il fait l'inverse, mais. Non mais c'est une blague. Allez quoi. Fait exprès là, attendez, il y a de la mauvaise foi de la part du jeu, hein. Regardez les stries, je tournais bien dans le bon sens. Là, je dévisse. J'ai le tonic. Hein. Le mec fait la good ending en hard mode. Bon, ça a fait du bien à ma santé mentale, déjà. Y'a rien, c'est un hub. Il peut rien m'arriver dans ce niveau. Bah quoi, je tire direct sur lui là? Coupe la tête avec quoi? Je vais me prendre des dégâts gratuits, hein. Ah oui, merci. Comment on coupe la tête du type? Putain. Oh, bah à gauche. Bah non, attendez, là. Il me dit coupe en ma tête, je sais plus quoi. Je me souviens d'une tête dans un inventaire, donc c'est pas du bullshit. Oui, l'outil est à gauche. Ah, très bien, merci. Merci les follow wheels. Si je pouvais passer, ce serait le luxe. S'il pouvait y avoir une motherfucking Tinderbox dans ce niveau, dans cette pièce. Je vais perdre de la vie pour ramasser une... Attends,
Attendez, déjà on cherche la Tinderbox, si on a une. Ah oui, la scie. Oui, voici la scie, la scie. Vous pouvez pas dire que je fais pas ça bien. Hey! Mais allez, je suis bloqué dans un caillou là. On est si proche de la fin du jeu, les gens. Faudrait juste que je puisse sauvegarder. Ah, le mec il la découpe. Le mec il fait le truc, il découpe la tête du gars et il la laisse. Il s'en va. Une Tinderbox, s'il vous plaît. Une Tinderbox, ce serait le truc le plus oufissime de toute l'arène. Ça ne veut pas bouger. C'est pas par là que je dois aller, en plus. Mince. Attendez. Je ne sais plus où je dois aller. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il doit y avoir toutes les portes là. Ouais, ça a l'air d'être par là. C'est sûr que je dois aller par là? Je crois qu'il peut y avoir des monstres dans ce niveau. Ce serait quand même super con de mourir maintenant. Là, si on meurt... Je sais pas ce qui se passe. J'ai 3 Tinderbox. Putain de bordel de cul. Oh putain, le type est là-bas. Vous croyez que je peux run à droite, là, direct? Eh, si vous voyez une Tinderbox, vous me... Putain, il n'y a pas à droite. Oh putain. Imaginez, c'est pas là. Bah, c'est là que je dois aller, non? Non, mais il y a un loup. Normalement, je suis censé aller... là où il y a le type. Oui, je sais, je dois poser les fragments. Sauf qu'il y a un truc qui me stresse. C'est que, en fait, je sais que le niveau d'après... Alors, je ne me souviens absolument pas du niveau d'après. Je ne me souviens mais vraiment pas du tout du niveau d'après. Mais je sais, parce que les gens, quand ils jouent en hard mode, que c'est vraiment la misère dans le niveau suivant, apparemment, niveau santé mentale. Genre, limite, on est sur un timer. Du coup, là où va le monstre, est-ce que... Imaginez s'il y a une Tinderbox là où va le monstre. C'est quand même con, hein. Je peux pas laisser passer une chance pareille. Si ça se trouve, il revient pas, hein. Ça, je sais que les gens, ils disaient, ouais, le hard mode, bon, on le finit, mais il y a un gros problème dans l'Inner Sanctum, c'est vraiment trop difficile. Ça
Putain, c'est peut-être la plus grosse erreur que je fais de l'arène. Faut l'attirer. Non, mais c'est pas possible. Imaginez, il y a une Tinderbox là. Putain, c'est quoi ça? Putain, je suis dans le plus gros stress du monde. Hein. Devanan a pris un abonnement, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, bienvenue dans les Follow Wheels. Putain. Qu'est-ce que je fais? Je suis un taré. Hein. Je suis un gros taré. Dites-moi qu'il peut pas être là. Mais je suis obligé de venir là en fait. S'il y a pas... Si j'ai fait tout ça pour pas voir de Tinderbox. Pardon. Oh putain, mais qui des cons hein. C'est bon, tout est ok. Je dois faire un truc ici ou... Ça sert à quoi? Faut casser la machine. Mais pourquoi on fait ça? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi je peux pas poser direct les orbes? Faut, il peut... Quoi? Il peut pas être là? Bah voilà, on y est. Mais bon... Ah putain, mais qui est con, hein? Je me souviens absolument pas de cet endroit. Bloque la machine. Mais avec quoi je bloque la machine? Je peux rien utiliser sur la machine, c'est ça le truc. Marteau au sol. Voilà. Ce n'est pas très utile. Tiens, c'est bizarre, ça passe dedans. Il n'y a plus de marteau. Oui, je fais quoi avec le marteau? Sur les gros rouages, ça se passe rien. Ça se passe rien du tout. Vous mentez. Ok. Mais j'ai mis entre les rouages. Un truc plus gros là, genre les tubes là. Pourquoi ça s'est bloqué? J'ai une scie. Une grosse pierre, bah attendez. Bah, les grosses pierres, c'est compliqué à soulever en fait. Oh putain. Je peux interagir avec le rouage au sol? Je pense pas, hein. Je peux pas. Y a pas de pierre. Ah si, celle-là je peux. Ouais, ça, ça, ça va aller, je pense. Baobab. Oh putain, je prends des dégâts gratos, quoi. Ça a servi à quoi tout ça? Ça ne sert à rien. Putain, on va mourir au prochain niveau, c'est sûr. C'est sûr. Remplis la fiole. Et la fiole de quoi? Et ma fiole, elle est déjà pleine. Je peux rien faire, là. À quoi sert ce niveau, je ne sais pas.
Non, ça a dû arrêter un truc, je sais pas où. Hein. Ferme la porte. Il y a pas de porte, les gens. Ferme la porte, ils disent. Ça, on va le voir arriver, hein. Non, je sais pas ce que ça a fait, c'est terrible. Par contre, il n'y a pas de Tinderbox et là on est mal. Ah, bah ça a arrêté ça. Oh putain. On va mourir, hein. C'est sûr à 100%. Hein. Niveau suivant, je crois, il faut speeder de ouf, il me semble. Hein. Un adhésif est nécessaire. Ah. Il faut speeder de ouf. Là, c'est le moment où on peut mourir, en fait. Ça, non? Putain. Allez, c'est bon. Non, c'est bon? Putain, je dois me dépêcher. Je sais que les gens dans le niveau, ils disent faut se grouiller. Faut se dépêcher de ouf. Putain. Ouais, je vais me mettre sur les trucs, je crois, ou je sais plus quoi. Je n'ai aucune idée si je fais ça bien ou pas. Je fais n'importe quoi. C'est mélange de mémoire et mélange de... C'est ça que je dois faire, je crois. Hein. Oh, shraps. Je vais mourir. C'est bon? C'est ça? Oh putain, je me souviens de rien là. Je sais plus comment ça marche la fin. Et trois pièces. Je peux mourir dans cette pièce ou pas? Est-ce que je peux mourir dans cette pièce? Défonce et piller, mais vous voulez que je défonce avec quoi? Je peux rien faire? Avec mes mains! Un truc à faire avec la tête, je pense pas, hein. Je sais pas. J'essaie de me déplacer, mais ça marche pas. Ah! Oh! Oui, je l'ai. C'est bon. C'est pas mourir dans une vieille flaque de sang par terre. Putain, j'ai achievement. J'ai réussi. It was my greatest triumph. Oh. Merde, c'est pas fini. J'ai eu la Shimon, c'est que c'est fini? Oh putain.
Oh. You think I was afraid, fleeing Brennenburg? Quite the contrary. Oh. I knew it was my purgatory. Oh. True Axa Enigma, merci de ton follow, ça fait extrêmement plaisir, bienvenue dans les Follow Wheels. Oh. Putain les gars, ouais. Franchement je sais pas quoi dire. J'ai one shot la prison, j'ai one shot le cœur, j'ai one shot le truc de la fin. Guedenoir a redonné 300 bits, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Dab. Hein, on voit pas en entier. Oh mon dieu. Non mais c'est ouf, hein. Je sais pas combien de fois je suis mort dans le run, mais pas beaucoup. Hein. En plus, j'y ai pas joué depuis 3 ans, quoi. Oh là là, c'était ouf, hein. Je m'en fous du générique de fin. Fin. Ike 271. Je sais toujours pas pourquoi ça s'affiche tout le temps. Oh. Oh mon dieu. Pff. C'était intense, hein. C'était vraiment intense. C'était intense de fou. Intense de fou. C'est... Pff. Ça repart sans sauvegarde. Un petit Cry of Fear. Non, non, Cry of Fear, franchement, ça n'arrivera pas, je pense. Oh là là. Putain. Le stress, quand même, là. La fin avec... Putain, le Inner Sanctum. Mais... Voilà. Je sais pas comment que j'ai fait pour pas mourir de folie, hein. J'ai speedé, je me souvenais qu'il fallait toucher le truc, je sais même pas s'il fallait se mettre dans les ronds. Je me souvenais pas de grand chose. Puis le choir que j'ai one shot. Ça c'est du skill, ça pur et dur. Là. Bien rester sur le côté. Oh putain, c'est énorme quoi, énorme.